Charlène de Monaco est officiellement de retour. Charlène de Monaco est officiellement de retour. Alors que des rumeurs la disaient malade et en conflit avec son époux, Charlène a fait parler d'elle en apparaissant ce vendredi 17 juin lors de la cérémonie d'ouverture de la 61e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Ces derniers temps, la princesse enchaîne les événements mondains sur le rocher pour le plus grand plaisir des monégasques. Des apparitions de plus en plus rassurantes qui lèvent peu à peu le voile sur les interrogations autour de son état de santé et de son couple avec le prince Albert. Après le Grand Prix de Formule 1 ou encore la Fashion Week, la princesse est apparue plus rayonnante que jamais dans une longue robe verte émeraude asymétrique et drapée signée L'An 20. Elle portait également des talons aiguilles à lanières dorées et des boucles d'oreilles en diamant. C'est au bras du prince, portant un costume noir accessoirisé d'une cravate rouge comme à son habitude, que Charlène a pris la pose. Charlène et Albert II, le couple royal réuni pour de bon. Très soudé sous les flashs des photographes, le couple royal s'est affiché tout sourire lors de cette nouvelle sortie officielle. Pour le prince Albert, la longue absence de son épouse n'est plus qu'une histoire ancienne. Dans sa dernière interview accordée au journal du dimanche, il y a quelques jours, il se confiait sur ce passage de leur histoire, cela a été une épreuve. Aujourd'hui, Charlène est de retour parmi nous et c'est ce qui pouvait arriver de plus beau. Elle va mieux et nous pouvons enfin passer du temps ensemble.